Alors, au moment de la quête principale, combattre l'intolérable, deux nouveaux. Mission annexe, une lettre attendue. Ils ont même massacré les villageois. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Vous avez l'air bien agité, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée? Qu'entendez-vous par là? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Cid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Mais oui, Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Bien, si vous y tenez. Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça? Vous avez une idée de l'endroit où elles pourraient se trouver? Je revenais de la nef en passant par le domaine de Golton et j'ai voulu accélérer le pas par peur des créatures qui rôdaient dans les parages. C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pense avoir perdu 3 paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Le plus important reste la lettre de Cid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments ne la rendent illisible. D'après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait encore être dans le coin. Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Un autre paquet. Paquet, mais toujours pas de lettres. Je devrais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Je vois qui vous êtes. Vous connaissez Messire Quentin. Vous êtes venu nous aider au vignoble aujourd'hui? Non, je suis à la recherche d'une lettre qu'un ami a perdue dans les environs. Vous ne l'auriez pas vue? Non, ça me dit rien. Je vois. Attendez! Je pense avoir vu un chien tout à l'heure. On aurait dit qu'il avait comme une feuille de papier dans la gueule. C'était peut-être ce que vous cherchez. Par où est-il parti? Il trottinait en direction de la nef. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un chien errant, je crois l'avoir déjà vu près du village. Merci pour votre aide précieuse. Cette cuvée fera parler d'elle. Ah, vous
vous revoilà. Vous venez voir Messie Quentin ? J'en ai marre de sentir le poisson fumer. La lettre de Sid. C'est donc toi qui l'avais, hein ? J'ai retrouvé tout ce que Glenn avait perdu. Écoute, désolé, mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Allons retrouver Glenn au repère. Il devrait être content. Avait l'air très perturbé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il peut bien retenir ? Clive, vous êtes enfin de retour. Je suis rentré au plus vite après ma mission. Dites-moi tout. Il vous manque des choses, n'est-ce pas ? Retournons-y et cherchons. Je vous ai tout rapporté, ne vous en faites pas. Oh, vraiment ? Les trois sacs ? Et la lettre de Sid ? Oui, ils sont tous ici. J'en reviens pas. C'est un miracle. Merci, je vous dois la vie. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ces paquets, mais égarer la lettre de Sid en plus de ça, il m'aurait étripé. Cette missive, elle est confidentielle, n'est-ce pas ? Pas du tout, loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Sid attend toujours ses lettres avec impatience. Sid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres, littéralement. Merci pour votre aide. J'ai même une récompense pour vous. Sid est toujours tellement heureux quand je lui apporte des nouvelles de sa fille. Ça fait plaisir à voir.